alternatif, vous connaissez assez bien l'histoire de la région, vous connaissez assez bien l'histoire de la commune et vous connaissez très bien Léontine qu'on va rencontrer aussi, n'est-ce pas? Très bien, je la connais. Elle est même de mon quartier, elle est chez moi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les difficultés que connaissent les dames qui sont vendeuses de poissons ici aux Agégé. Oui, en fait, les bonnes dames, auparavant, elles allaient sur le lac Noé avec la pagaie. Elles ramaient pour aller là-bas. Mais après avoir acheté les poissons, là, elles vont voir nos frères qui font le taxi et de moto sur le fleuve, sur le lac. Maintenant, nos frères attendent à ce qu'on ait au moins 25 personnes dans la bac avant de démarrer. Bon, en ce temps-là, cette période-là, ça fait que leurs poissons meurent et elles ne pouvaient plus arriver vendre les poissons vivants. C'est une perte pour elles. Mais maintenant, les femmes, elles se sont rangées en groupe. Et elles achètent même elles-mêmes des moteurs. Et maintenant, si elles achètent facilement, elles amènent ça, les poissons vivants, à Port-Nouveau pour la vente. Et maintenant, ça rapporte pour elles correctement. Oh, mais quoi d'où est? Oui, on passe. Nous sommes maintenant dans le village même où nous allons les rencontrer dans l'arrondissement de Zungamé. Ici, c'est le dernier village de l'arrondissement et elles viennent à notre rencontre. Et nous allons enfin, en suivant l'indication du REA, essayer de reconnaître Madame Léontine qui est un sexe pas si faible que ça.